Souvent ciblé par les défenses adverses, doit-il être surfermé les parenthèses protégées par les arbitres. Neymar, le retour. En résumé, il vaudrait mieux que les Dijonais ne le chatouillent pas trop au niveau des côtes. Or, les défenses adverses sont évidemment tentées de chatouiller ce genre de joueur. C'est important de protéger les joueurs, réclamait Coach Emery, quelques jours plus tard face à la presse. D'abord, les chiffres. Oui, le Brésilien subit plus de fautes que les autres. En l'occurrence, Nabil Fekir est le joueur qui subit le plus de fautes en Ligue 1, 69, source, Opta, devant Ney, 68, et le Bordelais Malcolm, 60. A noter qu'en Europe, un seul joueur a été victime de plus de fautes que le tandem Fekir-Neymar, Richarlison, jeune, 20 ans. Attaquant brésilien de Watford, 72 fautes subies. Tous les joueurs qui dribblent, provoquent, percutent, sont amenés à subir plus de fautes que ceux qui jouent à une ou deux touches de balle. C'est normal. Ce sont en plus des joueurs qui occupent des postes offensifs, où ils sont plus exposés, où il y a plus de densité, plus de monde. Fermer les guillemets, difficile à mettre en place. Quoique, en NBA par exemple, cette règle existe dans les faits, pas dans les textes. Évidemment, l'intéressé ne se prive pas non plus de réaliser ce genre de geste en match, comme le prouve cette compilation de petits ponts postés par le club de la capitale, sur Twitter.
les Dijonais s'en réjouissent à l'avance. L'artillerie lourde pour le PSG, avec le retour de Neymar. L'exploit serait d'autant plus beau, se délecte-t-on sur le compte tweeté du club bourguignon, 9e au classement de la L1 avant le début de la 21e journée. Qu'on se rassure, avec plus de 300 matchs en pro-342 très exactement, dans les jambes avec Santo, 134, Barcelone, 186, et Paris, 22, sans oublier 83 caps on a avec le Brésil, Neymar, 25 ans, n'est plus un débutant. Il a appris à encaisser les coups points, tous ceux qui suivent la Ligue 1 sont contents de voir un joueur comme lui, souligne Unai Emery. Peut-être certains entraîneurs préparent un plan spécial pour Neymar. Je l'ai affronté en Espagne. Mais je crois que l'attention dont il fait l'objet auprès des défenses adverses est normale. Fermer les guillemets reste à faire en sorte que cette attention reste normale, qu'elle ne dépasse pas le cadre légal, et que Neymar JR. I'm so happy.